Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow. Connexion, c'est un moment où les jeunes peuvent se rencontrer. Les jeunes pensent souvent à l'église locale et Connexion leur permet de voir un regard de la fédération beaucoup plus large, beaucoup plus grand. Peut-être même des fois connaître la fédération dont ils n'ont pas forcément conscience en fait au quotidien. À Connexion, les jeunes prennent le temps d'avoir des moments particuliers en fait avec Dieu, et il se rend compte qu'on peut vivre sa foi de manière tellement diverse auxquelles ils ne font pas forcément attention dans leur quotidien, que je pense que c'est un moment très important pour eux. Ouais, en fait, Connexion, c'est vraiment un moment qui est privilégié pour que des jeunes de toute la France puissent se rassembler ensemble pour entendre parler de Jésus, pour pouvoir suivre Jésus, c'est le thème de cette année, et puis surtout ensuite pour pouvoir expérimenter des choses ensemble, de créer des connexions. On peut avoir des projets, après on demande à Dieu qui bénisse nos projets, mais on voulait que le projet vienne de Dieu. Donc connexion, ça veut dire aussi la connexion avec Dieu et avec les autres. Donc c'est là qu'on voit vraiment les vies changer. Se connecter avec les autres chrétiens qui ont à peu près le même âge ou les autres responsables de jeunes, et pour après espérer que ça puisse avoir un impact positif aussi à la fois dans leur vie mais aussi dans les églises locales, et puis on en est tous bénéficiaires. Pour donner trois exemples concrets, on peut penser à Sport et Foi, par exemple, par rapport au sport, qui ont fait un atelier pour expliquer comment est-ce qu'au travers du sport, on peut manifester justement son identité en Christ. Vous pouvez prendre un temps de prière ensemble aussi. Nous, Sport et Foi, c'est ça. C'est qu'on a la conviction que notre foi, elle peut être intégrée pleinement dans le sport. Okay, et ça change toute notre attitude sur le terrain. Un deuxième atelier auquel je pense, c'est sur la créativité. Les personnes créatives autour de Peggy Linkowski sont parties d'un texte biblique et puis ils ont essayé de laisser aller à leur imagination, et puis ils ont créé des œuvres qui étaient en rapport avec ce texte. Et puis une troisième, c'est avec le groupe Dévotion qui est un invité cette année, qui était là sur la création musicale et sur la composition. Donc voilà, trois aspects différents, et puis il y en a beaucoup d'autres qui ont été évoqués avant, mais qui permettent à chaque jeune de pouvoir peut-être aussi avancer et expérimenter des nouvelles choses. Allez, on se voit en 2021.